Le premier point, qui est la lutte contre le grand banditisme et le trafic d'armes de guerre et de munitions. Le commissariat de Logozoké sur renseignement a réussi à appréhender deux individus redoutables, auteurs de plusieurs enlèvements et cambriolages dans le département des collines. La fouille subséquente à leur interpellation a permis de découvrir deux armes de guerre et plusieurs munitions, à savoir deux AKM et 197 munitions de calibre 7,62. Deuxième point, l'unité mixte de contrôle des conteneurs a réussi à déjouer la ruse et l'ingéniosité des trafiquants en repérant des conteneurs supposés contenir des objets licites. La fouille minutieuse, qui a duré plusieurs jours, a permis de découvrir et de saisir 57,708 tonnes de tramadol hors norme qui est assimilé à un produit stupéfiant par les conventions des Nations Unies en la matière. Troisième point, le vol qualifié. En effet, un opérateur économique résidant à Cotonou a alerté la brigade criminelle de la disparition de l'un de ses employés avec une somme de 50 millions de francs CFA à déposer à la banque. L'alerte qui a suivi a permis au commissariat spécial de Lakodi de l'intercepter à la frontière avec les sous dérobés. La population peut donc continuer par nous faire confiance.